masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, les masters MEF, dans la mention second degré, permettent de se former à devenir enseignant en collège, en lycée et dans certaines conditions en enseignement post-baccalauréat comme les BTS ou les UIT par exemple. Pour intégrer la formation, il faut avoir suivi un premier cycle universitaire dans la ou les disciplines visées évidemment, les lettres pour être professeur de français, la physique et la chimie pour enseigner dans ces sciences, ou parfois des licences un peu plus composites, telles que lettres et histoire ou langue, pour enseigner comme professeur bivalent en lycée professionnel. A noter que la licence TAPS, elle, est obligatoire pour intégrer le master dans le parcours EPS. Il n'est pas indispensable, mais il est utile, d'avoir opté pour une pré-professionnalisation au métier de professeur, quand elle est proposée, bien sûr, en licence, ce qui inclut entre autres des stages en classe de collège et de lycée. Devenir enseignant, c'est aussi parfois un choix de seconde carrière pour des personnes expérimentées chez qui l'envie de transmettre s'éveille. Titulaires d'au moins un bac plus 2, ils peuvent faire valoir des années de pratique d'un métier pour intégrer le master dans les voies d'enseignement technologique ou professionnel dites de spécialité. Par exemple, des techniciens industriels, des cadres d'entreprise vont faire valoir leur diplôme initial et leur expérience d'au moins 5 ans pour intégrer le Master MEF et se former au nouveau métier qu'ils ont choisi, celui d'enseignant, et accéder à cet emploi par voie des concours nationaux. Jusqu'à 2 tiers de l'ancienneté peut être reprise dans l'ancienneté en tant que professeur, et du coup leur rémunération est revalorisée, et en même temps ils bénéficient d'un nombre de points supplémentaires pour leur future affectation en établissement. C'est le cas pour les années exercées comme cadre, pour les lauréats du CAPET, professeur certifié de l'enseignement technique, mais aussi pour tout statut confondu, à partir de l'âge de 20 ans, tous les emplois, cette fois pour devenir professeur de lycée professionnel dans les disciplines dites de spécialité. Alors pour candidater à la formation MEF, la procédure de candidature elle est identique. Est identique quel que soit le profil du candidat. La voie souhaitée en MEF second degré, général, technologique ou professionnel. Bon, cette candidature se fait sur le site institutionnel de l'INSPE avec l'application en ligne e-candidat. Et pour candidater au master, il faut déposer tous les éléments du dossier, un curriculum vitae, une lettre de motivation manuscrite, ses relevés de notes depuis le baccalauréat, et puis le cas échéant, les justificatifs d'un emploi précédent. Il est possible de candidater à plusieurs parcours. Par exemple, simultanément demander une inscription en CAPES d'histoire et géographie, mais aussi en CAPLP, LP pour lycée professionnel, en CAPLP lettres histoire. Ou un autre exemple, on peut aussi candidater pour intégrer le parcours CAPET marketing, et en même temps le CAPLP commerce et vente. Comment se déroule la formation? Elle se déroule de manière exigeante, tant en volume qu'en qualité. Sur les 2 années de formation, il y a 800 heures de formation qui sont dispensées sur le site universitaire, auxquelles, bien sûr, on ajoute les stages, des stages de découverte, puis progressivement de pratique du métier, métier d'enseignant, bien sûr. En première année, le stage de 6 semaines d'immersion, il va d'abord permettre l'observation, puis la pratique accompagné par un enseignant expérimenté. Et ce stage, il va s'appuyer sur un renforcement disciplinaire et l'acquisition d'un savoir-faire en didactique pour préparer les supports de cours, mais aussi une manière de s'approprier les principes et les techniques pédagogiques pour être amené cette fois à conduire les apprentissages des élèves en classe. Ces éléments vont permettre aussi de préparer le concours. Vos connaissances et votre approche du métier sont enrichies par la recherche universitaire. Les compétences numériques seront aussi largement mobilisées pour vous permettre d'accomplir vos missions dans un environnement numérique de travail sans cesse croissant, tant en classe que hors la classe. Enfin, à l'heure de l'interdisciplinarité, voire même de la co-intervention, 2 enseignants ensemble dans une même classe, il est important que votre niveau en langue vivante étrangère soit conforté. Des cours sont dédiés et les structures d'accompagnement universitaire vous y aideront. En outre, vous pourriez même choisir de donner
une coloration multilingue à votre carrière en choisissant parmi des modules dits complémentaires qui sont proposés, soit celui visant à l'enseignement d'une discipline en langue étrangère, dont vous enseigneriez par exemple les mathématiques en anglais, ou celle qui est destinée à enseigner dans des lycées français à l'étranger, ce qu'on appelle l'AEFE. D'autres orientations sont évidemment proposées, comme par exemple l'enseignement dédié à des élèves à besoins particuliers, c'est-à-dire en situation de handicap ou autre. Ou alors d'autres singularités, comme la poursuite dans la recherche universitaire. En deuxième année, la plupart des étudiants opteront pour une alternance à tiers-temps, en collège, en lycée général et technologique ou en lycée professionnel, en étant sous contrat rémunéré avec l'académie. Cette activité professionnelle, comme contractuelle, s'appuie toujours sur les apports de la formation universitaire dispensée en alternance. L'expérience que vous allez acquérir en responsabilité des classes viendra nourrir davantage votre approche réflexive du métier et votre recherche qui vont aboutir sous la forme d'un mémoire qui sera soutenu en jury universitaire. Aussi, les accompagnements individuels et collectifs vous permettront de préparer dans des conditions idéales le concours. Concours désormais placé en deuxième année. Tant pour les épreuves écrites d'admissibilité que pour les épreuves orales d'admission. En fait, tous ces éléments de formation ainsi que les épreuves universitaires vous permettront conjointement de valider votre master tout en vous préparant au concours dans les meilleures conditions. Le recrutement par l'éducation nationale en tant que fonctionnaire de la fonction publique se fait par les voies de concours qui exigent un niveau Master 2. Master 2 est requis, enfin, à de rares exceptions près, comme les personnes en seconde carrière, des voies professionnelles de spécialité, et puis les sportifs de haut niveau, les parents de trois enfants. L'éducation nationale recrute aussi sous contrat. C'est nécessairement le cas d'ailleurs pour les diplômés qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne. De plus, de nombreux établissements publics, privés ou associatifs recrutent des enseignants sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en France d'ailleurs comme à l'étranger. Selon le cas, les enseignants peuvent aussi enseigner aussi bien auprès d'un public de jeunes ou d'adultes. En France, pour ne citer que ces exemples, les établissements publics de l'éducation nationale, je l'ai dit, mais aussi les lycées agricoles, les EPID, les maisons familiales et rurales, les centres de formation d'apprentis, les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers, ou bien sûr les collèges et lycées privés recrutent les diplômés des Master MEF second degré. À l'étranger, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les Alliances françaises et d'autres organismes peuvent vous offrir des opportunités internationales pérenne. Le Master MEF est aussi une voie universitaire d'accès à des métiers connexes, à celui de l'enseignant comme les ingénieurs pédagogiques, les acteurs de la formation continue par exemple. En fait, tous les métiers en phase avec les 19 compétences nationalement identifiées dans cette formation, métiers vers lesquels vous serez accompagné quel que soit votre projet.